Près de 72 heures après cette fameuse demi-finale, comment ça va? Est-ce que tu as digéré? Digérer, ça dépend, pas tout. Je suis toujours autant dans la fierté de ce qu'on a proposé, de ce que le club a dégagé, au-delà de seulement des joueurs, même si c'est eux les principaux acteurs et ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire. Mais l'image que le VFC a dégagée sur le terrain, en dehors du terrain, l'unité que l'on a montrée et la force que l'on a dégagée, et ça s'est vu sur le terrain en fait. On savait qu'il fallait bien préparer ce match à Lyon. On l'a bien préparé avec nous, le staff, et je tiens à remercier le staff pour le travail qu'il a accompli. Le club aussi, en tant qu'entité, les supporters, notamment avec cet accueil à l'aéroport la veille du départ. C'est très important pour les joueurs. Et ce que les joueurs ont mis en place sur le terrain. Donc, fier d'avoir représenté aussi bien le VFC. On savait que pour pouvoir exister, et c'est ce que je voulais exister dans ce match. Il fallait faire le match parfait et il fallait surtout jouer le match et ne pas le jouer avant ou avoir des regrets après. Et ça, c'est quelque chose que les joueurs ont fait. Ils ont été acteurs de ce match et n'ont pas été en réaction. Et le match parfait que l'on devait faire, on l'a fait jusqu'à ces décisions totalement incompréhensibles voilà, de la part du corps arbitral. Aujourd'hui, clairement, on nous vole une finale. Parce qu'on peut retourner le problème dans tous les sens et revoir les matchs, revoir les images. On nous vole une finale parce qu'au lieu de rentrer au vestiaire avec 0-1, on rattaque la deuxième mi-temps avec 1-0 contre nous. Donc ça fait deux buts d'écart, deux buts qui ne sont pas de notre côté de la balance et qui ne sont pas justifiés. Et c'est toujours ce sentiment d'injustice qui est dur à digérer. Et c'est très difficile d'arbitrer. Et encore une fois, je jette la pierre sur personne, mais le corps arbitral, et encore plus avec la VAR, on est là justement pour réduire cette marge d'erreur et être le plus juste possible. Et là, j'ai l'impression qu'on a été très injuste envers nous. Et je disais tout au long de cette compétition, je parlais, des fois, les adversaires ne nous ont pas respectés sur certains matchs parce que c'était content de tirer le VFC. Là, Lyon nous a respectés. Dans l'accueil qu'ils nous ont fait, voilà, le club de Lyon, je tiens à tirer mon chapeau parce qu'ils nous ont respectés, ça a été une fête extraordinaire. Les supporters lyonnais aussi ont mis une ambiance extraordinaire, les tifos, c'est vraiment magnifique de jouer dans cette ambiance-là. Mais j'ai l'impression que c'est le corps arbitral qui ne nous a pas respectés sur ce match. Vous êtes considéré comme le petit, quoi. Ouais, et puis voilà, pas eu l'occasion d'échanger. Et puis voilà, on le voit, ce sont pour moi des erreurs manifestes, mais encore une fois, moi j'engage que moi quand je dis ça, mais je l'assume, j'ai pas de souci par rapport à ça, parce que je défends mon club, et je défends surtout le travail des joueurs. Aujourd'hui, atteindre une finale de Coupe de France, c'est peut-être une fois dans une vie, nous on savait, c'était le match d'une vie, c'est vrai, et on l'a joué comme le match d'une vie, il n'y a aucun regret par rapport à ça. Mais derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un travail, c'est qu'il y a un investissement, c'est qu'il y a des efforts. Et le métier de footballeur ou le métier d'entraîneur, c'est beaucoup de sacrifices pour arriver des fois à peu de moments de bonheur. Et se faire voler des moments de bonheur comme ça, c'est dur à digérer. C'est ça, le sentiment d'avoir un peu eu le rêve brisé, quoi. Oui, c'est vrai. Et pour nos supporters, pour mes joueurs, pour moi, mes joueurs n'ont pas perdu ce match. Alors, c'est des propos qui sont forts, mais mes joueurs n'ont pas n'ont pas perdu le match. Ils ont fait ce qu'il fallait et des décisions ont donné la victoire à Lyon. Comment on rebondit après ça? Parce qu'il faut se relancer. C'est une à la fois une fierté, mais aussi une déception, parce que vous n'êtes pas passé si loin que ça de l'exploit. Comment on se remet dans le bon sens? On s'appuie sur ce qu'on a fait. On valorise le travail des joueurs. On valorise la prestation des joueurs pour qu'ils puissent s'appuyer dessus sur les échéances à venir. Voilà, c'est. Au-delà du, et je l'avais dit avant le match, au-delà du facteur émotionnel, nous on est des professionnels, on n'est pas dans l'émotion. Voilà, que les supporters, que le public, enfin, pardon, pas le public, les téléspectateurs, le club, l'environnement du club soit dans l'émotion, oui. Nous les joueurs, on était dans la performance. Et en fait, c'est ce qui m'a le plus plu, c'est que les joueurs ont su faire la part des choses et être dans la performance. Et donc c'est sur ça qu'il faut s'appuyer, parce que c'est ça la vérité. C'est ça le socle d'une équipe. C'est le travail, c'est ce qu'on met en place sur le terrain, c'est le rectangle vert pendant 95 minutes. Et ça, les joueurs, ils ont de quoi s'appuyer sur ce qu'ils ont fait à Lyon.
Beaucoup de gens disent c'est pas possible que cette équipe soit dernière de Ligue 2 alors qu'elle fait jeu égal sur un match avec une équipe de Ligue 1. Comment t'expliques cette grosse différence? Bah, je l'explique parce que sur un match, voilà, on peut passer outre beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on arrive à se mobiliser. Ça, c'est une force de caractère de pouvoir le faire. Sur la durée d'un championnat, il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en compte. Et je ne suis pas là pour les énumérer aujourd'hui, mais juger un championnat, c'est pas juste juger une performance à un instant T. C'est un marathon, en fait, un championnat. Et ce marathon-là, il se prépare en amont. Il se prépare aussi pendant la préparation estivale. Il se prépare dans plein de domaines, voilà, que je ne vais pas énumérer. Mais c'est pour ça qu'il y a une différence, en fait, entre les deux. Et beaucoup de personnes me disent ça. Mais pour moi, c'est deux choses différentes. T'as pas peur d'une démobilisation de la part de tes joueurs, puisque vous êtes quand même très loin au classement en championnat, t'as pas peur de ça jusqu'à la fin de la saison? Et Non, comment éviter ça? j'en ai pas peur pour la simple et bonne raison, c'est que au-delà d'avoir des joueurs juste devant moi, j'ai aussi des hommes, et j'ai des hommes qui sont loyaux, et on le voit dans leur investissement sur ce qu'ils ont montré mardi. Ils ont fait preuve de loyauté envers nous, le staff, par rapport au travail qu'on a mis en place, mais envers le club aussi. Et je suis persuadé qu'ils vont pouvoir se mobiliser sur les 8 derniers matchs et être performant, ou en tout cas donner le maximum. Et c'est ce qu'on a vu mardi à Lyon. Les joueurs ont donné le maximum. Moi, j'ai des joueurs qui sont sortis, qui étaient rincés physiquement, rincés émotionnellement. Et en fait, à partir du moment où on a ce sentiment-là, je ne peux pas leur en vouloir, je peux juste être fier. Et c'est ce que j'attends d'eux sur les 8 derniers matchs, c'est de donner tout ce qu'ils ont. Beaucoup de gens aussi disent que ce match n'était peut-être pas un barreau d'honneur, mais peut-être bien le début de quelque chose de nouveau. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est quelque chose sur lequel il faut s'appuyer. C'est un match, voilà, on a vu vraiment la force du club, en fait, au-delà juste d'une équipe, c'est la force d'un club. Et quand on est un club aussi historique, aussi fort que Valenciennes, bah on passe des épreuves. Des fois, c'est des épreuves difficiles, mais on est capable de les surmonter et de rebondir. Donc, oui, forcément, pour moi, ça laisse présager plutôt des bonnes choses pour l'avenir. À titre personnel, tu as été admis au BEPF, on l'a appris ce matin. Félicitations déjà. Oui, merci beaucoup. Et qu'est-ce que ça représente pour toi? Bah, pour moi, ça représente beaucoup de l'aboutissement de beaucoup de travail. Parce que c'est une formation d'excellence, il est très difficile d'être admis, on est seulement 10 élus pour pouvoir intégrer cette formation. Donc moi je suis très content parce que c'est beaucoup de sacrifices. C'est vrai que on voit les joueurs, enfin on voit les entraîneurs les week-ends pendant 90 minutes sur le bord du terrain, mais derrière il y a des sacrifices au niveau de la vie de famille, il y a des sacrifices dans le travail, c'est beaucoup de temps passé à préparer les matchs, préparer les séances. Et on a envie d'être légitime et d'être reconnu pour ce travail-là. Et ce diplôme, en fait, il donne cette légitimité-là. Donc je suis vraiment, voilà, très très content de l'intégrer. Dernière question, qui sont les absents pour ce déplacement à Annecy? A priori, confiance, quasiment au même groupe que Lyon. Oui, ce sera 99% le même groupe. Forcément, on était 20 dans le groupe, on serait un peu moins pour ce déplacement à Annecy. Mais non, non, on a toujours Ali Sabanovic qui est blessé, David Krupps aussi, qui est en réathlétisation, Jordan Poua qui est blessé jusque la fin de saison, Mathias? et Mathias Ohuissi qui a passé une IRM et donc qui sera out pour ce match.